d'ailleurs. Hoffmann partait juste 30 secondes derrière Daly, avait rattrapé immédiatement le Norvégien, la surprise générale. Et puis finalement, dans la dernière boucle, c'est Daly qui avait fait la différence. En emmenant Jönsson dans ses skis, ce dernier accéléré avant le stade d'arrivée pour prendre la médaille d'argent. Mais quel résultat pour Hoffmann, quel résultat une fois de plus pour Daly. C'était son 8e titre de champion olympique. Lui, Vladimir Smirnov, c'est aussi un très très grand champion, multiple champion du monde. Mais une seule fois champion olympique, c'était à Lillehammer en 1994. Il s'est imposé le dernier jour dans le 50 km classique. Alexei Prokhorov est champion du monde en 1997, l'année dernière. Un titre conquis le premier jour dans le 30 km classique. Et ici, Mathias Fredriksson, l'un des enfants chéris de la Norvège. La Norvège qui se cherche un successeur au grandissime Gundersvann. Alors ça serait peut-être Per Elofsson, on verra ça. Per Elofsson annoncé à l'intersaison comme le futur grand de l'équipe de Suède qui cette année n'a pas encore prouvé grand-chose. Mais qui sait. Il est encore jeune. Alors que le leader de la Coupe du Monde, monsieur Thomas Aschgaard, s'élance. Champion olympique du 30 km libre en 94 à Lillehammer et champion olympique cette année à Nagano lors de la poursuite, battant au sprint sur la ligne d'arrivée le grandissime Björn Daly. Et Johan Mölling pour l'Allemagne, prêt à partir lui aussi. Et juste derrière lui, ça sera Marco Albarello, dernier dossard, je vous le rappelle, il y a tout le monde. Hein. Tous les grands sont là. Les Russes, les Finlandais, les Italiens, les Norvégiens, bien évidemment. Regardez Marco Albarello, qui a encore remporté une médaille d'argent lors de ces Jeux de Nagano. Et peut-être qu'il courra le 50 classique de Marco Albarello. C'est pas certain parce que les longues distances, il aime pas trop. Faut dire que quand on a son gabarit, c'est pas simple. Quelle physique Marco Albarello, et donc je vous l'ai dit, sous la pression des coureurs, il rejoindrait peut-être l'encadrement italien l'année prochaine. En tout cas, c'est sûr, il arrête sa carrière de coureur. Marco Albarello, le plus français des Italiens, puisqu'il vient de Courmayeur, dans le Val d'Aoste. Alors on va venir au temps intermédiaire, c'est au deuxième kilomètre, savoir où on en est. Christian Hoffmann est en tête devant Mireil Bodinov, ils sont tous les deux autrichiens, en tout cas de nationalité, parce que Bodinov, vous le savez, avant, il était russe. Il n'a pas le droit de participer au jeu d'ailleurs. En troisième position, c'est Per Elofsson justement derrière Björn Daly. Sylvie Foner est septième à 6 secondes, c'est très 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 serré, regardez ça, 3 dixièmes entre Daly et Foner. 10 km, faut pas se reposer. Hein. Le classement pour l'instant, Hoffmann en tête devant Bodinov, Elofsson et Fredriksson sont à égalité avec Valbuza et Daly. Ils se tiennent en 8 dixièmes ces 4-là, imaginez ça. Et ce sont les deux Autrichiens, Christian Hoffmann et Mireil Bodinov, qui mènent cette course pour l'instant. Donc je vous le disais, Mireil Bodinov, devenu autrichien la saison dernière. Il a eu une année sabbatique, une année interdite de Coupe du Monde. Il en a profité pour aller se balader du côté du circuit de la Worldloppet, où il a gagné quasiment toutes les courses longue distance, y compris la transjurassienne. Et Bodinov, il a couru dès le début de la saison en Coupe du Monde, obtenant même un podium dès la quatrième course lors du 15 km libre poursuite de Val di Fiemme. Un podium qu'il a confirmé par la suite à Ramsau, chez lui, lors du 30 km libre. Il prenait la troisième place derrière Thomas Alsgaard et Silvio Fauner. Mais qui n'a pas le droit, donc je vous l'ai dit, de participer au jeu. Veto de l'équipe russe pour empêcher la participation de Mireil Bodinov au jeu. Et quand on voit cette équipe russe qui nous a vraiment surpris du début à la fin avec Christian Hoffmann, avec Marcus Gandler. Pour l'instant, le classement, c'est Hoffmann qui est en tête. Hoffmann qui part toujours très bien. Oulu Walbuza est en cinquième position, mais à quelques dixièmes seulement du troisième, Per Elofsson. Oulu Walbuza qui va passer dans un instant dans le stade au temps intermédiaire, alors que vous le voyez, c'est Mireil Bodinov qui est en tête à ce moment-là. Mireil Bodinov qui tout à l'heure était en deuxième position derrière Christian Hoffmann.
Christian Hoffmann qui n'est pas encore passé. Attendez, si on voit Valbuena, ah, si Hoffmann est passé puisque Valbuena est parti une minute derrière Christian Hoffmann. Fulvio Valbuena relativement déçu de ces Jeux Olympiques lui aussi, même s'il a réussi à accrocher une médaille d'argent en relais avec l'ensemble de l'équipe d'Italie. Oh là, il est loin Valbuena. Et Hoffmann est en deuxième position au premier passage dans le stade. Fulvio Valbuena qui a l'air complètement à l'arrêt, là, qui a vraiment du mal à skier. Cette première caméra est trompeuse, on pensait que c'était déjà le passage dans le stade. Et il est à 10 secondes et demie. Fulvio Valbuena du leader maintenant. Il s'agit de l'Autrichien Mikhail Botvinov. Et juste derrière Valbuena, on apercevait un Italien qui lui en était à la fin de sa course au contraire. Per Elofsson ici en deuxième position. Per Elofsson, eh ben ça marche pas trop mal. Alors c'est vrai qu'il y a encore pas mal de monde à passer, en particulier des garçons comme Silvio Fauner, comme Björn Dali, comme Mika Mulule, Vladimir Smirnov, Thomas Ashgord. Le voici Thomas Ashgord qui passe au deuxième kilomètre. Et attention là, on perd 4 places très facilement. Ashgord qui se retrouve en 8e position juste devant Yari Zometse. Mais regardez les écarts, 6 secondes et 7 dixièmes de retard seulement. Quelle course à la bagarre et superbe. En tête donc au deuxième kilomètre, puisqu'après le passage de Thomas Ashgord, il reste encore Johan Mulig et Marco Albarello qui ne sont pas vraiment des spécialistes de 10 livres. Le classement est donc le suivant. Au deuxième kilomètre, on trouve Christian Hoffmann et Mikhail Botvinov, les deux Autrichiens en tête devant Per Elofsson et Mathias Frederiksen qui sont ici devant leur public. Cinquième Fulvio Valbuena, puis Björn Dali, Silvio Fauner et Thomas Ashgord. Mais regardez seulement 6 secondes et 7 dixièmes d'écart entre le premier et le huitième. Les Finlandais courent ensemble, Isometsä, Mulule et Repo. Alors qu'ici, c'est Pietro Pillar-Cotterer. Pietro Pillar-Cotterer qui espérait pouvoir prendre le départ du relais lors des Jeux de Nagano. Et puis on lui a préféré sans doute avec raison Fabio Mai. Fabio Mai qui a fait, il est vrai, une superbe course. Il a tenu tête dans le troisième relais au grandissime Björn Dali. Et là c'est Mikhail Botvinov au premier plan. Et juste derrière lui, c'est Monsieur Marco Albarello. Mikhail Botvinov qui passe à son 7e kilomètre, alors que Marco Albarello dans son côté, c'est seulement le deuxième. Classement 7e kilomètre, Botvinov en tête devant Pillar-Cotterer, 12 secondes, les écarts se sont agrandis. Tchepikov, le champion olympique de biathlon 94, est troisième. Classement donc à la mi-course, en tête, c'est Mikhail Botvinov, deuxième position pour Christian Hoffmann. Troisième, Per Elofsson. Cela au cinquième kilomètre, mais c'est vrai qu'on attend les passages des leaders, en particulier Thomas Ashgord, qui a eu la chance de tirer un dossard après la plupart des leaders, en fin de peloton, comme on dit. Björn Dali. Björn Dali qui passe une première fois dans le stade. Björn Dali qui ce soir doit faire une conférence de presse pour annoncer ce que sera sa saison à présent. Et bien nous, on vous donne les résultats de cette conférence de presse en avance grâce à Francis Replin qui nous a donné ces informations. Et donc, contrairement à ce qui nous avait été dit à Nagano, Björn Dali qui pensait abandonner, arrêter sa carrière soit à l'issue de cette saison, soit à l'issue de la saison dernière, a décidé de continuer jusqu'à Salt Lake City en 2002. Mais ne courant que quelques courses de Coupe du Monde seulement, juste à son choix, un petit peu comme a fait Alberto Tomba. Ça lui a pas vraiment réussi à l'italien, mais c'est vrai que je crois que Björn Dali le fait un petit peu plus jeune que Tomba, avec un petit peu plus d'avance sur les autres. Et d'ailleurs, regardez comme il est toujours bien. Il est exactement à égalité avec Mikhail Botvinov au passage du 5e kilomètre. Donc Björn Dali qui ira jusqu'à Salt Lake City en participant à quelques Coupes du Monde seulement. Et surtout, c'est ça le plus important, il a décidé de quitter l'équipe norvégienne et de s'entraîner seul de son côté, quittant l'encadrement pour ainsi faire ce qu'il veut. Son but, c'est de rester un petit peu plus à la maison maintenant. S'occuper de ses affaires, s'occuper de sa famille. Et
Mireille Badinoff à égalité avec Björn Dahlie à l'issue du cinquième kilomètre. Alors que Thomas Højgaard devrait plus tarder arriver lui aussi. Thomas Højgaard, on a encore un petit peu de temps. Là, c'est Christian Hoffmann qui passe au 7e kilomètre. Il a perdu 12 secondes à présent sur son leader Mireille Botvinnov. Fabien Maille. Fabien Maille en 8e position. Égalité avec Silvio Fauner, décidément. Fabien Maille qui a rejoint Harry Palolati, parti 30 secondes devant lui très rapidement. Puis on a aperçu le Danois. Michael Binzer, qui a l'air d'avoir abandonné là au 5e kilomètre, oui, s'est arrêté. Le classement donc au passage du 5e kilomètre, avec en tête à égalité Mireille Botvinnov pour l'Autriche et Björn Dahlie pour la Norvège. On attend le passage de Thomas Højgaard, car si Dahlie a repris du temps à Hoffmann et à Botvinnov, Højgaard qui était juste derrière Björn Dahlie ne devrait plus être très loin lui non plus. À l'arrivée, Samir Epo. Pour l'instant, c'est Sergio Piller qui est en tête. Sergio Piller qui lui aussi est originaire de Sapada, tout comme Silvio Fauner et tout comme Pietro Piller-Cotraire. C'est pas la même famille, hein, Sergio Piller et Pietro Piller-Cotraire. Il faut savoir qu'à Sapada, quasiment tout le monde s'appelle Piller quelque chose. Damien Epo qui va en finir. Il a attrapé le train de Vladimir Smirnov qui est un tour plus loin pour espérer faire un beau résultat. Ça a l'air de pas trop mal marcher d'ailleurs. Damien Epo qu'on a vu très très loin tout à l'heure dans les classements intermédiaires. Et qui ici donc prend la tête de la compétition. Attention, elle est encore relativement loin la cellule de chronométrage. Et attention, faut se bagarrer là jusqu'au bout. Juste qu'il glisse bien. Et il est derrière finalement une demi-seconde entre Piller et Zordi. C'est le classement provisoire, mais bien évidemment, on attend le passage du groupe rouge. Sachant que pour l'instant, après 5 km à égalité, on trouve Björn Dahlie et Mireille Botvinnov. Mais voici Thomas Højgaard qui va passer à son tour au 5e kilomètre. Le champion olympique de la poursuite à Nagano et le leader de la Coupe du Monde. Voilà, il est en tête. Une seconde et un dixième d'avance sur Botvinnov et Björn Dahlie. Ça nous promet une très très belle dernière boucle. Restez avec nous. Où se trouve l'Olympia Stadion? Il est plutôt pas bien. Christian Hoffmann. Au départ, il a joué jeu égal avec son leader, Mireille Botvinnov. Christian Hoffmann, médaillé de bronze sur piste du 50 km libre à Nagano. Fabio Maille, 11e avec 21 secondes d'écart. Donc, il y a vraiment des écarts infimes. Alors, à noter qu'il y avait un Français inscrit dans ce 10 km libre. Il s'agit bien évidemment de Vincent Vitoz. Notez que chez les Français, il va y avoir des changements également à la fin de la saison, puisque Pierre Guéperet, qui était le patron des équipes de France de ski de fond et qui avait un contrat jusqu'au jeu de Nagano, a décidé d'arrêter après cette saison pour reprendre ses activités. Vous le savez, il est guide de montagne, il est passionné de montagne. Chaque année, il met sur pied des expéditions. Et là, il a décidé d'aller plus loin en partant pour Médecins Sans Frontières. Médecins Sans Frontières dont... qui a déjà dans ses rangs l'épouse de Pierre Guéperet, qui est médecin et qui va rejoindre donc en tant que volontaire. Mika Mulele est en 6e position, 16 secondes, 8 dixièmes de retard. C'est très très serré, dites donc ça. Il reste 3 km à parcourir. On va être style au premier plan avec Christian Hoffmann qui en termine. Christian Hoffmann qui a complètement coulé sur la fin de course.
Juste devant Vincent Vitos, qui, vous le voyez à cet instant, est en 11e position avec 31 secondes de retard sur le leader, Vladimir Smirnov. Le Kazakh, donc, lui, s'est confirmé, il s'arrête à la fin de la saison en 6e position devant Mika Mulule, 16 secondes de retard. Le leader, c'est donc toujours Mikhail Botvinnov, qui devance pour l'instant Per Elofsson. Fulvio Balbuza. Fulvio Balbuza qui a bien du mal à en terminer d'ailleurs. Et il est battu par Pietro Pilar-Cotrer pour l'instant, qu'on aperçoit là à gauche. Thomas Alsgaard, c'est lui qui est le leader à l'issue du 5e kilomètre, le passage au 7e pour le leader de la Coupe du Monde. Et il est deuxième à 3 secondes et 6 dixièmes de retard de Mikhail Botvinnov. Botvinnov qui a très bien terminé. Alors qu'ici c'est Per Elofsson qui vient de finir pour la Suède. Il est deuxième, toujours derrière Per Elofsson. Derrière Mikhail Botvinnov avec le même retard que précédemment. Björn Dahlin. Thor Arne Hetland ici à droite, c'est les lunettes qui m'ont trompé, mais c'est pas du tout le gabarit de Björn Dahlin. Thor Arne Hetland qui s'est fait rejoindre par Mathias Fredriksson en plus. Et attention pour Mikhail Botvinnov, c'est peut-être la première victoire de sa carrière qui se profile là. Et dans le dernier podium remonte à pas si longtemps que ça, puisque c'était cette année, juste avant les Jeux à Ramsau. Une troisième place dans le 30 km libre. Et attention, sur 50 km classiques, il peut faire très très mal Botvinnov. Il aime cette épreuve, il aime cette distance. Botvinnov, je vous l'ai dit, n'a jamais gagné de course de Coupe du Monde. En revanche, avant cette saison, il avait obtenu 4 podiums, dont 3 en suite classique sur des longues distances, y compris 2 fois le 50 km classique d'Oslo-Holmenkollen en 95. C'était une troisième place. Et en 1992, Mathias Fredriksson. Les Suédois qui se retrouvent ici sur leur piste de Falun. Théâtre des championnats du monde 1993, où avait brillé en particulier le Jurassien de Morbier, Hervé Ballan, qui prenait la médaille d'argent du 50 km libre derrière Torgny Mogren, le Suédois. Et Mathias Fredriksson qui se place en 6e position. Le classement en tête Mikhail Botvinnov, 2e position pour Per Elofsson. 3e, on trouve à présent Henrik Forsberg, puis Pietro Pilar-Cotrer, Fulvio Balbuza et Mathias Fredriksson. Voici Silvio Fauner. Silvio Fauner avec Christer Storgaard, l'Italien qui a très rapidement rejoint le Norvégien sur la piste, qui était pourtant parti 30 secondes devant lui. Et Mikhail Botvinnov qui a mis une valise à tout le monde. Je vous rappelle qu'au 7e kilomètre, il avait encore plus de 3 secondes d'avance sur Thomas Alsgaard, alors qu'il avait 3 secondes de retard au passage du 5e kilomètre. Alors c'est vrai que les Norvégiens glissent très très bien, puisque c'est un petit peu la même chose lors de la première boucle. Alsgaard avait 5 secondes de retard sur Botvinnov au passage du 2e kilomètre, mais dans le stade il avait 3 secondes d'avance. Là c'est pareil, 3 secondes d'avance pour Botvinnov sur Alsgaard. Il a l'air de très très bien finir, le leader de la Coupe du Monde. Le leader de la Coupe du Monde qui cette année s'est imposé à 3 reprises en Coupe du Monde, si on ne tient pas compte de ses... Si on tient compte, pardon, de son succès olympique. Succès remporté lors de la poursuite. Voici Björn Dahlin qui est battu. Björn Dahlin qui est battu par Mikhail Botvinnov et battu par Per Elofsson qui se retrouve en 4e position. Pas grave, Björn Dahlin, c'est plus la Coupe du Monde qu'il veut gagner. Ce ne sont que quelques courses. Continuer, il a envie de continuer, il a envie encore de compétition.
Bodvinov donc en tête, deuxième position Per Elofsson. Troisième, on trouve un autre Suédois, Henrik Forsberg. Et puis on attend le passage surtout de Thomas Alsgaard, hein, qu'on n'a pas du tout vu dans la course aujourd'hui, c'est Mika Mugulé, le champion olympique du 30 km classique. Il avait gagné avec une telle aisance qu'on pensait qu'il allait faire la passe de 4. Puis finalement, la suite des jeux s'est fait bien difficile pour le Finlandais qui malgré tout a obtenu encore une médaille de bronze avec le relais aux côtés de Jari Isometsä, Sami Repo et le grand Ari Kirviäisniemi. Qui 18 ans après sa médaille de bronze dans le relais en 1980, remportait une nouvelle fois une médaille de bronze dans le relais. Battu par les Italiens, dont Fabio Mai, le troisième relayeur qui partait face au grand Björn Nedelin qu'on pensait voir exploser, qui finalement passait le relais en tête à Silvio Fauner, qui était face à un grand Thomas Alsgaard. Le voilà, Mika Mugulé. Mika Mugulé qui a eu vraiment une très bizarre saison, avec 5 premières courses où il termine au-delà de la 30e place. Et puis c'est arrivé à Kavgolovo en janvier qu'il se retrouve enfin en s'imposant. Quelques jours plus tard à Ramsau, il remporte, il termine deuxième du 15 km classique. Et puis surtout, il y a eu son titre olympique qui suivait son titre de champion du monde l'année dernière à Trondheim, les deux en style classique. 50 à Trondheim et 30 à Nagano. Mika Mugulé qui aujourd'hui termine 6ème avec 20 secondes de retard. Enfin, pour l'instant, il reste Thomas Alsgaard à passer qui, je vous rappelle, au dernier temps intermédiaire, était en deuxième position. Alexei Prokhorov, champion du monde des 30 km libre l'année dernière et qui était vraiment très mal en point à Nagano, ne prenant même pas le départ du 30 classique où on l'attendait. Surtout que les conditions étaient telles qu'a priori c'était une course dessinée pour lui. Prokhorov qui savait très bien se préparer pour les grands rendez-vous mais qui avait eu plus de difficultés cette fois-ci. Ah oui, il y avait le facteur grippe d'Hong Kong. Et regardez Alexei Prokhorov qui est en train de se faire rejoindre par Thomas Alsgaard là-bas. Alors que Prokhorov, il est en bagarre pour une belle place encore aujourd'hui. Smirnov est arrivé lui aussi, on ne sait pas trop ce qu'il a fait. Prokhorov qui va se placer ici devant Henrik Forsberg. Attention à Thomas Alsgaard qui arrive comme un fou derrière. Et Thomas Alsgaard, à mon avis, qui a gagné, oui. Il a encore plus de 10 secondes pour en terminer. Qui a fait une superbe descente. Thomas Alsgaard qui s'impose aujourd'hui avec 7 secondes d'avance sur Mirek Botvinov. Et ben dites donc. Et il y a eu un échange incessant entre Alsgaard et Botvinov en tête de la course. Et donc Botvinov ne remporte pas la première victoire de sa carrière, en tout cas pas aujourd'hui. C'est Alsgaard qui gagne et qui conforte ainsi son dossard jaune de leader de la Coupe du Monde. De toute façon, cette saison, à part à 3 reprises en Coupe du Monde, il a toujours été sur le podium. Et encore, les 3 reprises dont je parle, c'est une 4e place, une 5e place et une 6e place. Normal donc qu'il soit porteur du dossard jaune. Et le classement final de ce 10 km libre avec la victoire d'Alsgaard devant Botvinov. Per Elofsson, la révélation suédoise qu'on a annoncé depuis le début de saison, confirme avec le premier podium de sa carrière. Le meilleur italien, c'est Pietro Pilar-Cotter juste derrière Björn Nelie et devant Mika Mugulé. Mais des écarts vraiment très faibles puisque le français Vincent Vitoz prend la 22e place avec 40 secondes de retard, soit quasiment rien. On se termine avec cette superbe image de Thomas Alsgaard, le plus grand styliste du circuit Coupe du Monde et le meilleur fondeur cette saison sur l'ensemble de la Coupe du Monde, même si il est un petit peu éclipsé par les succès du grandissime Björn Nedelin qui à Nagano a remporté son 8e titre olympique. Il reste encore une course individuelle en Coupe du Monde, vous la suivrez bien évidemment sur Eurosport, le 50 km classique d'Oslo Holmenkollen. Thomas Alsgaard va remporter la Coupe du Monde, c'est à présent certain, devant Björn Nedelin et Vladimir Smirnov. Et attention à Mireille Bodinov, il se vaudra le surveiller également à Holmenkollen. Ça promet une superbe course, surtout il faudra être